Ah bah c'est ça, à mon avis c'est le monkey. On aurait dû redémarrer la lightbox avant de commencer. Peut-être qu'on aurait fait quelque chose. Alors qui je vais prendre? Ah bah tiens, j'ai envie de prendre. Je vais choisir mon costume. Attends, on va peut-être attendre qu'il y ait Jester. Ah, je vais choisir une map. Attends, ne prends rien parce que peut-être que Jester il va revenir. À moins que. On avait dit que ça se finissait à 17h30, il est 17h35. 17h49 quand même. On va pas tarder à arrêter. Putain, bravo. Mais ça, on peut dire que ça a été un aléatoire. Bon, c'est pas très grave. Coucou. D'accord, mais oh. Mais oh. Mais... Pas honte. T'as pas honte, petite crapule. Mais oh. En fait, faut appuyer deux fois en fait. Mais oh. A gangster. Non. Je suis King Kong. A et 2 commencer. S'amuser bien. S'amuser bien. D'ailleurs, t'avais un sacré point. On va jusqu'à 18h, après on arrête. Ouais. Ah merde, mais c'est... Et où je vais? Je sais pas. Au paradis, mon cher. Oh, d'accord. Donc, il fait 50 mètres carrés de cube, là. Et lui, il arrive à tomber dans un minuscule trou comme ça, mais dis donc. Qu'est-ce qu'il peut lancer? Il peut... Vraiment chaque ennemi, enfin chaque perso a une attaque où en fait il lance un truc là. Là en fait j'ai l'impression que son attaque ben. Ouais c'est remplacé par le truc. Tiens. Du point. Vous voyez, Didi là il envoie des caca, des noix de coco. Moi je m'envoie moi. Oh oui. Oui oh, merde. Et oh non. Et c'est beaucoup moins drôle hein. Oh mais c'est bol. Même pas moi. Et bah oui c'est l'autre qui m'a immobilisé. Oh Vincent. Oh c'était tellement pratique ce que tu viens de faire. Faut revoir le replay. Donc Didi ouais il envoie des doigts de coco. Et le villageois il envoie des sortes de petites fusées. Et là donc il compte pas parler. Julien qui essaie de raconter un peu voilà. Ouais non mais j'ai essayé quand même de parler un peu du jeu. Oh putain. Je suis oh, le bouclier m'a sauvé de tomber dans le trou là. Ah, il est super bien. Oui ouais. Oh oui c'est moi qui ai le kill. Oh merde. Non, c'est... Oh merde. C'est moi qui ai eu le kill ou pas, j'ai pas vu. Je sais plus. Je sens que tu verras la fin. Oula oh le champi. Le merde. Champi mini. Oh. Faut que tu dégages. Ah. Mais pourquoi moi? Oh putain. Oh ça t'es vraiment nul. Ah mais attends j'étais concentré. J'ai tiré. Oh lâche moi. Gangstar. Mais quoi c'est celui qui t'envoie de la bouffe? Mais où? Moi aussi j'ai faim. Alors là je vous ai fait mon smash. Mais lâche-moi. Voilà. Oh, oh. Oh c'était beau. Ouais c'est vrai. C'est vrai. T'es nul, t'as même pas réussi à esquiver ça. Baguette magique. Baguette, merde. D'accord. Oh la toupie volante de Donkey Kong. Genre le mec il arrive à se soulever alors qu'il pèse 20 tonnes quoi. C'est moi qui ai gagné. Oh non. Ah. Mais Julien là tu dois attaquer. Oh, oh regarde oh. Il se gratte les oreilles. Oui. Oh. Il avait 1%. Oh je suis content. J'ai enfin gagné une mort subite. Oh. Oh j'ai une super belle dentiste. Mais non mais cette tête quoi, ils auraient pas pu la changer. Regarde moi. On dirait un attardé.
J'avoue, quand même, là, ils ont fait fort là. Bon, c'était pitoyable, tiens, je sauvegarde. Regarde, je représente bien mon personnage, hein. Et ouais. En même temps, ce personnage était destiné pour toi, hein. Merci. Bon, allez, pour mes derniers combats, je vais reprendre mon personnage principal. Tu vas prendre ton mi Megaman. D'ailleurs, vous pouvez voir, bah, mon frère, dans le Vince Bros, a fait une personnalisation. Moi, je m'en suis fait une. Et voilà. Tu choisis laquelle ? Moi, j'utilise pas pour le personnage classique. Ok. Non, mais prends pas Megaman. Je vais prendre mon personnage, hein, moi aussi. Ok. Là, je prends le vrai moi. Le vrai moi de mon intérieur. On va prendre prestation finale. Non. Mieux. Ness. Ah oui, Ness, vas-y. Duncan. Duncan, c'est bien. Ça varie un peu. Un peu de vintage. Faut pas dire que ce stage soit extrêmement beau puisqu'il a, c'est exactement le même le même niveau que le niveau de Duck Hunt, hein, sur NES avec le comment il s'appelait le Duck Hunt le pistolet le zapper voilà avec le zapper zapper la télécommande. Où est-ce que je peux trouver la télécommande de Zappi? Qui à l'époque c'était une prouesse technologique. Tu te rends compte, sans aucun contact, la c'était console facile. Arrivait à détecter où ton. C'était facile de gagner. Tu collais ton truc devant l'écran. Ouais, non, la console arrivait à détecter l'endroit où était le pistolet de. Par rapport à l'écran quoi. On avait même plus à le faire quoi. Ça. Bon, vous allez me dire, ouais, mais sûrement dans les salles d'arcade, avant, ils devaient sûrement faire ça, ouais, mais les salles d'arcade, enfin, les bandes d'arcade, c'est des machines. Oui, c'est des grosses machines. Qui sont méga grosses. La NES, je veux dire, c'est une boîte de chaussures. C'est ta petite console de salon, quoi. La NES, c'est une boîte à chaussures, quoi. Voilà. Oh, je suis en métal. Ah ouais, mais c'est déjà en métal. Alors, quand on est en métal, on est plus résistant aux attaques. On est un peu moins rapide, quoique non, on n'est pas moins rapide, mais on saute moins haut. On est plus attiré vers le sol, ce qui est logique puisqu'on est de métal, quoi. Et donc ça peut être utile, par exemple, quand on a des hauts pourcentages, comme ça, quand on est en métal, on a moins de chances en fait de se faire envoler dans le ciel, quoi. Mais si on tombe dans un trou, c'est plus délicat à remonter parce que la gravité fait qu'on est attiré vers le sol. Bah au moins tu m'as empêché de prendre d'avoir le truc. Et je gère, hein. 152, toujours pas mort. Megaman, le seul et l'unique. Megaman, le seul et l'unique. Et putain, ils sont tués. Ouais, je sais pas comment tu fais, mais t'arrêtes, enfin. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Non, c'est parce qu'il me donne un coup. Ah d'accord. Alors ça va. Ah, merci. Et oh laisse, je vais le tuer. Casser tous les. Ta gueule. Cette musique c'est quoi? Ah c'est Docteur Kawashima ça la musique. Non c'est pas que je quitte la merde. C'est le Tetris sorti sur DS cette musique. Ah mais oui il était bien celui-là. La. J'aime jouer à Tetris et me faire du Tetris. Jouer à Tetris quand t'es triste. Ah. Attention la blague de merde ça faisait longtemps. Ouais. Hashtag blague de merde. Mais Vincent, s'il te plaît, là tu me focus, y'a du spam, non mais. Mais non, mais je veux Link! On veut tous Link. Ah, je sais pas ce que. Tu as un pigeon? Ah oui. Bah bravo! Utilise-le! Crève! Ouais, c'est bon, je l'ai tué. Oh, mais c'est pas possible! Mais je fais que d'avoc. Qui est Entei, toi, Entei. Oui Julien. Putain. Je t'ai battu. Oh. Bah ouais, bah ouais. Oh. 152, quoi. 71, yes. Quoi, j'ai le moins de pourcentage. Et alors là, j'ai gagné. Ah, oh, non. T'aurais pu m'attaquer. Oh, là. Je sais, j'ai fait une grosse...
Non. Quel combat. Oui, mais non, oui, oh non, bombe. Ah oui, tu m'as remis la bombe. Ah oui, sur ça moi. C'était magnifique. Ah. Magnifique, je t'ai mis ta propre bombe. Bah ouais, mais on va arrêter là parce que c'est. Ah, on en fait quoi. Une dernière. Ok. Ah, tu t'es fait avoir par ton propre coup, quoi. Ouais, ça, c'était du mal jeu, quoi. Ah, j'ai joué à le revenir. Ah, ouais, bah, ça va... On va peut-être en faire encore une ou deux. Allez, putain. Quelqu'un qui veut parler. Ah, Pokémon. Ouais, Pokémon. Stade Pokémon 2. Lui, c'est pas un nouveau stage. C'est un stage classique, on va dire. D'accord. Oh! Ah, j'utilise pas souvent mon smash bas, d'habitude j'utilise plus souvent. Ouais, parce que tu veux spammer. Le smash haut de Megaman est aussi très pratique hein, quand on va enchaîner les personnages. Ouais, quand tu vous veux faites spammer. Smash haut plus saut smash haut pour faire la tornade et là vous pouvez facilement. Oh, la map préférée de Julien! Ah merde! Non, tu sais le mec! Oh merde! Voyez, hop, hop! Attends, là, je sais pas. Faudrait oh mais qu'est-ce qui. Oh mais je t'ai envoyé un truc pourtant. Toi tu mets 30% d'un coup quand même. Mais ouais ça c'est fait énorme. Ouais mais ça il faut le charger pendant longtemps ce truc hein. Ouais, c'est... Bah attends tu. Chiant parce que c'est long hein. C'est chiant mais c'est bon. C'est chiant mais c'est bon. Non il a pris mon oui sabre. Merde. Oh là là. Oh là là c'était. Julien j'arrive. Bon casse-toi s'il te plaît. Oui. Et voilà, voyez, et voilà, spam. Vous avez spam. Vu hein, la petite tornade. Vous voyez ce spam. La petite tornade. Qui voudrait jouer avec Julien après avoir vu ça. La petite tornade vers le haut. Qui fait plaisir. Alors là, comment il a pu le faire. Il était dans la lave. C'est de la démagogie, monsieur. De la démagogie, oh, d'accord. Oh, il y a le lac qui tue. Le lac qui tue, et eh ben il tue beaucoup. Ouais, voilà, cette bague de quel lac. D'accord, je sais pas ce qu'il m'a eu là. Mais tu t'es pris une carapace hein. Ah il y a une carapace. Ouais okay. il a lancé une carapace et toi tu t'es pris mais en plein dans la tête. Je vais tellement tuer Vincent. Coucou. Ça va pas tarder. What j'aimerais bien vous montrer le smash de Megaman parce qu'il est classe. Ouais allez, mais non. Laisse moi le prendre. Non. Toi tu m'as jamais laissé me le prendre. Ah merde. Ah mais je suis sorti. Ah mais je suis pas mort. Ah non. Ah bah merde. Ouais. Juste tu m'as pris quoi. Ah le smash de Megaman, je crois que c'est un des plus classes. C'est ça. Du jeu. Regarde, t'es sur un tapis de Twister. Oh t'es mort. Mais putain pourquoi j'ai pas réussi à sauter, c'est de la triche. Parce que ça. T'étais... Ah ça c'est un truc... De Galaga. Un de Galaga. Galaga, un ancien jeu sur NES. Je crois qu'il est sorti. Il était sorti sur arcade mais aussi sur NES. Et en fait, vous voyez le vaisseau il vous attrape. Et il vous tue. Mais il y a des fois, je sais pas comment, mais des fois vous arrivez à vous en sortir. Ouais, mais moi je connais quoi. La technique. Moi je sais comment faire hein, pour... Moi je sais comment faire moi pour... Oh non, le sabre. Non, rendez-moi le sabre. Oui, c'est bon, j'ai pris. C'était mon sabre. Oh, alors oh, là, j'ai beau. Essayé de faire genre une onde de choc, comme dans DBZ. Non, non, non. Oh là là. Ouais. Moi j'ai Allez. Tellement pu te tuer. Voilà, tu sais quoi là, j'attends. Et j'attends. Genre tu sais. Hop là, esquive. Ah mais ok, lui il était avec son. Oh Majora's Mask. Ah ouais. Et oh là oh, là putain. Ah oh, ça par exemple ça c'est un trophée genre. Ah putain. Que j'adore parce que ça bouleverse vraiment le gameplay. Ouais, non, c'est pas ton petit truc là, c'est pas le petit truc. Je suis là. Tu es Vincent, mais pas oh moi. En plus, on te voit tout là-bas. Là. Regarde. Bonjour. Ah, oh, mais bah oui. Quoi. Oh, mais c'était merveilleux. Ah, mais oh, t'es troisième, Vincent. T'es troisième. C'est bon, ça arrive même au meilleur. Quoi. Ah, j'ai pas tué une seule fois Sonic. Ouais. Par contre, ça Sonic veut dire tué. Que toi, t'es très nul. Moi, j'ai tué. En fait, on est... Mais il était trop rapide, c'est pour ça.
On fait encore une et après ça sera la dernière. Ouais. Ouais, je vais changer. Qui je peux prendre? Que j'ai pas pris. Pit magnifique. Shulk qui est repris de Xenoblade aussi. Il est difficile, enfin je sais pas, j'ai jamais vraiment testé, mais quand on combat contre lui, il peut changer ses smashs pour faire des smashs lents, des smashs rapides, c'est un peu compliqué. Bah, il est très très fort. Si vous savez l'utiliser, vous pouvez facilement tuer les autres. Il y a pas Dark Vador. Little Mac, j'arrive pas à le contrôler. Monsieur Game & Watch est tombé. Julien, est-ce qu'il y a un personnage de Star Wars à débloquer? Et ça peut faire comme dans Excalibur, hein. Je te signale que dans Excalibur, il y avait Dark Vador et Yoda. Et même l'apprenti de... Duo Duck Hunt, voilà. Change. Non. Change. En plus, regarde, il est tout beau. Bah, alors, prends ce costume. Je me rappelle Rookie. Voilà, j'ai pas eu le temps de changer mon costume. On va essayer de prendre ce stage parce qu'il est beau. Ouais, mais il est grand. Ouais, il est grand, mais il est beau. C'est grand, ouais, mais c'est beau. C'est grand, mais c'est beau. Grand, mais c'est beau. Oh, d'accord. C'est très rapide. C'est bon, je connais les contrôles. Oh, d'accord. Le Wii Fit. Ouais. Ah, quelqu'un a pris Little Mac. Oh là là. Oh, Little Mac, c'est... je l'ai collé sur son truc. Hein. J'ai utilisé la technique de Julien. Ah. Ça s'appelle la Tu vas voir que tu as aimé Megaman. Non, c'est nul. Il est nul, il est pas assez rapide. Et vas-y, des fois je... Mais oh. Mais non. Tu vois, c'est comme ça quand je suis avec toi. Ah voilà, aussi vous voyez un bouclier, mais quand vous arrivez à détruire le bouclier du mec, le mec est sommé et... Pardon, pour en profiter pour attaquer. Purée. Que de patates de pomme de terre. Reprenez votre position de départ. Position de départ. Oulala, mais j'ai plus... Ok, je reprends ma position de départ. J'étais ici au départ. Oh là là, mais j'ai plus de voix. On va pas tarder à arrêter là. Pas de ma gueule. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que je fais pas exprès là. Oh, Julia, où es-tu là? Oula. Moi je suis sûr de pas faire ceinturer le micro. Oh là là, mais oh, je fais n'importe quoi avec le gars. Oh mais vas-y. Tu fais plus rien, arrête. Oh là 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 là. Oh, ça va tellement bien ressentir. Oh, non mais le marteau. Oh là là, ça y est, la musique qui s'allume. Ça y est, je reviens. Bonjour, je suis de retour. J'ai les larmes tellement que c'était drôle. J'ai dû vous tuer les oreilles. J'ai les larmes comme que c'était drôle. Oh, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai eu un moment de vide. Ouh, oh, comme j'ai tué les T'envoies des canettes de coca. Peu là. Mais non. Mais arrêtez de m'enchaîner. C'est comme ça quand je joue avec toi, tu vois. Ah, tu vois, je sais pas si vous voyez, mais vous pouvez vous référer quand vous sortez un peu de l'écran au miroir qui est derrière. Oh la vache! Eh, hey, c'est un légendaire ça! C'est Suicune! Oh, je veux dire un expert en Pokémon, toi. Non, je connais juste la bleue. Les premiers, les nouveaux, je les connais pas. Mais oui, qui regarde les nouveaux, sérieusement? Ah, là j'ai le truc qui permet de faire mal. Ouais. Comme tous les objets dans ce jeu. Ah, ah, j'ai tellement de la chance qu'il y avait une bombe. Les crèves. Ouais. Oh yes. Bon, bien joué. Trop fort. Alors je vais leur dire que c'est la dernière.
Ah la vache que... Tu m'as fait... Bien joué. C'est la dernière qu'on fait, après on va arrêter parce que ça fait déjà une heure et demie quasiment. Ouais, 1h18. Ok. Voilà, voilà, comme ça on les a prévenus. Bonjour, tu sais, j'ai plus de voix, j'ai plus de voix. Non mais arrête, c'est pas drôle là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe. Sans, tu sais, allez hop, pour le dernier combat, pardon Vincent. Tu vas prendre ton mi. Ouais. Ah bon. Non, oh, quand même. Non, moi je vais le prendre pour je toi. Je prends mon personnage principal. Du coup... Non, je dois régler, merde, ma couleur. Oh, quand je te demande de régler ma couleur. Voilà, regarde. Regarde là. Ouais, pas beaucoup de ressemblance, hein. Bien sûr, un peu quand même. Si on inverse les trucs, bah c'est pareil. Oui, si on inverse, c'est bien. Attends, là, regarde, cette robe est bleue et blanche, et bleue et noire, et cette robe est blanche et or. Non, mais il n'y a aucune ressemblance. Prends Destination Finale pour le dernier. Ok. Non, pas Lost in Space. Vincent, fais plus. Voilà, Docteur Willy. Ce stage est bien. C'est moi qui ai aidé quand le Docteur Willy. C'est plombé à cause du mec. Non, il est bien, mais je veux dire qu'en fait, il peut être dur parce que si on n'est pas en mode Destination Finale, il y a le géant jaune. Le géant jaune qui a un boss, je crois, dans Megaman. Qui arrive. Ah voilà. On va finir sur celui-là. Allez, c'est parti. Et moi en tant que chien. J'ai lancé un frisbee. Bah oui. C'est mignon. Vas-y, je veux pas qu'il y ait de problème. Hein. S'il y a un problème, je veux. En plus avec la musique et tout, quoi. La musique. C'est pas la meilleure, mais elle est très bien. Elle est sympa. Le thème de ce Mario de ce Smash Bros est vraiment sympa. Mais utilisez ça, vous êtes trop nul. Ah purée la vache, méchant. Oh je t'ai visé. Non mais en fait tu vois le truc là. Le X qui a eu de flamme. Ouais. Bah en fait quand tu m'as donné le coup, et bah ça m'a fait. Quand tu m'as donné le coup, et bah ça m'a fait voltiger dessus. J'ai tiré dans plein dans sa trajectoire quoi. Oh là 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 là, c'était beau. Oh là, il y a même moi. Ils me prennent des deux côtés. Ouais. D'accord, ok le Metroid. Bonjour le Metroid. Je t'ai rien demandé. Mon gars. Ah. Ouais. Ah ce Metroid. Ouais. Est énervant. Metroid. Un métro avec du vide, Metroid. Non mais Vincent, mais mes blagues sont mieux. Oh là, okay. Mais vas-y, meurs. Je vais voir ma technique d'envoyer toutes mes attaques. Technique secrète. Vincent Brosse s'envole vers d'autres cieux. Pourquoi il est invincible? Je sais pas, mais des fois... Julien, Vincent Brosse s'envole vers d'autres cieux. Oh, il a 110%, il veut pas voler, hein. Oh. Mais il crève. Et il a 119%, il vole pas. C'est bon, j'ai tué. C'est toi qui as le kill. Ouais. Mais non. Désolé, j'ai touché en dernier. Hein. Voilà, j'ai tué Game & Watch. Game & Watch. Ah ouais. Oh là là. Oh putain, c'est bon, c'est bon. Je vise mal. Et ouais. Qu'est-ce que je sers à rien, quoi. Voilà, vous voyez, la technique marche comme je vous l'ai dit. Ça c'est du spam. Pas du spam. J'aime bien, il dit ça c'est du spam. Oh putain, wesh. Ouais. Oh ça c'est des BZ. Et voilà, il y a que moi qui est mort comme d'hab. Voilà. Hein, oui. Et moi je reviens avec mon oiseau. Bien joué. Mais regardez d'ailleurs des fois la tête de l'oiseau parce qu'elle est bizarre. Mais non, mais je veux tuer l'autre. Enfin, j'ai star. T'as fait voltiger ma canette. Mais je veux te tuer, toi. Même si ça va être chaud, mais bon. Allez, crève. Pour rappel, je m'envole. Ah, mais des fois, il s'active en mode doré. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai gagné? Ah, oh, gagné, ben voilà. Et ben bravo. Ouais, bravo, Medica. Ouais, bravo. GG Medica. Qui aura été premier. Ouais.
Alors là, je vais leur dire. Bien joué. Ouais, c'était un très beau match. Ouais, merci. Donc on va arrêter. Mettez la vidéo. Alors ça je sais pas, il faut que je fasse le montage, j'essaierai de la mettre au plus vite. Donc voilà, par contre je peux pas te donner de date. En tout cas, merci d'être merci venu. De votre coopération et merci d'être venu, c'était vraiment sympa et j'espère qu'on pourra remettre ça à d'autres fois, même sans filmer, juste comme ça entre potes quoi. Voilà. OK. Allez, à la prochaine. Bye. Bisous. Donc voilà, on va quitter avant que on lance une autre notre partie. Non, c'est comme ça. Bisous. Non, mais c'est vrai, c'est sympa parce que ouais. Ils ont pu se libérer l'après-midi. Hop, on va quitter. Ils ont dû faire leur devoir, mais bon, je crois. Voilà. Voilà. Bon, on va revenir sur le menu principal. En tout cas, c'était vraiment très très sympa. Ouais. C'est on va se laisser avec la les coffres. Avec la vidéo. Non mais fais rien. La vidéo d'introduction. Pour conclure, c'est parti en ligne. Voilà. Donc voilà. C'était ces vidéos sont finies, je dis ces vidéos parce qu'il va sûrement avoir trois parties. Ouais. Quand je regarde mon chronomètre, on en est à 1h25 et j'ai oublié d'activer le chronomètre pendant 10 minutes je crois. Donc ça fait quasiment 1h30. Oh, sans compter la fois où on a arrêté. Donc alors je sais pas si ça sera des parties de 20 minutes ou de 30 minutes. Je verrai en fonction du nombre de parties que ça fera. En tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas, je tiens à remercier Medka et Gestar Gaming pour être venus jouer avec nous. C'était vraiment très très sympa. J'espère que on pourra remettre ça. N'hésitez pas toujours, hein, vous pouvez m'ajouter en ami sur sur la Wii U pour et moi aussi vous pouvez m'ajouter d'ailleurs ajouter Vincent vous pouvez m'ajouter un ami sur la Wii U comme ça on pourra toujours jouer même si c'est pas filmé je joue souvent à la Wii U ces temps-ci j'y joue souvent ouais. Non tu joues pas souvent ces temps-ci t'es en train de faire un truc sur les normatives un petit projet donc t'as appuyé sur un bouton c'est pas possible mais désolé c'est mon doigt qui a glissé sur le 1 quoi s'il te plaît cette mauvaise foi. Et donc, j'ai fait comme ça. Mais ne touche plus la manette. C'est comme ça. Et donc là, merci à eux d'être venus, d'avoir pu se libérer. D'avoir pu se libérer, c'était vraiment très sympa de leur part, parce que je sais que pas tout le monde peut se libérer pour jouer avec des inconnus, parce qu'en vrai on se connaît pas, on s'est jamais parlé en face et on a jamais. C'est vrai Julien, on s'est jamais parlé en face. On sait même pas on sait même pas à quoi il ressemble. Mais bon, Julien. Que voulez-vous, c'est les joies aussi des jeux vidéo, c'est de rassembler des personnes qui ne se connaissent pas vraiment et de les faire jouer entre eux et peut-être après créer des amitiés. Et c'est aussi un peu ce que fait YouTube aussi. Avec les commentaires. En grande partie avec les commentaires. Et avec les conventions aussi. Donc voilà, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer votre avis. C'est très important pour nous que vous dites votre avis sur la qualité des vidéos. Si vous reprochez quelque chose à une vidéo, n'hésitez pas à dire. Si vous reprochez quelque chose à la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, à partager pour faire découvrir d'autres chaînes. Et au cas où les futurs parties en ligne, si vous voulez participer à vos amis et à votre entourage, n'hésitez pas aussi à suivre le Facebook et le Twitter parce que c'est là où on annonce si on fait des petites parties en online sans forcément filmer, même si ça se peut que je puisse filmer après quoi.
je veux dire, je dis, je fais une petite partie qui veut rejoindre, hop, je joue, mais rien m'empêche de lancer le boîtier d'acquisition et de jouer et de filmer. Ça peut toujours être sympa. Et c'est, les parties en ligne ne sont pas uniquement que sur comment ça s'appelle, sur Smash Bros. Hein. Wii U, il y aura aussi, il y a aussi, comme les vidéos précédentes, c'était les parties en ligne de sur Mario Kart 8. Qu'on refera d'ailleurs parce que c'est vraiment très sympa, et puisqu'on a acheté le DLC, on va avoir de nouvelles courses qui vont arriver dans pas longtemps, en plus de celles qui sont déjà arrivées. Il y a aussi Vincent qui fait qui joue à Assassin's Creed Unity, donc si vous voulez jouer en coopération avec lui, n'hésitez pas. Et aussi vous pouvez me trouver sur Steam ou sur Origin, dans des parties Battlefield 3 ou dans des parties sur Quake ou sur Counter-Strike, ou même aussi sur des serveurs Minecraft, hein. Voilà. Donc ben voilà, je vais arrêter la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site et à parler dans le forum, parce que c'est souvent dans le forum qu'on organise ces parties en ligne comme ça. D'ailleurs, je tiens à remercier Metka qui a eu l'idée de faire les parties en ligne sur Super Smash Bros. For Wii U. Et donc voilà, mais merci d'avoir regardé. C'était les Juju Bros. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut tout le monde.